Yo tout le monde, c'était Ken, aujourd'hui on se retrouve donc sur Splatoon, un jeu qui est sorti aujourd'hui sur Wii U, donc c'est un jeu qui apparemment devrait être pas mal, hein, on va voir ça tout de suite. Je ne connais pas du tout, donc je découvre en même temps que vous, c'est parti. Alors tu cherches à avoir la classe dans ce cas direction Chromapolis. Ok. Waouh putain la vache, oui d'accord. Donc on vise. En bougeant le gamepad. Ok, donc apparemment on peut y aller. Ok, donc là apparemment, bon déjà, comme vous avez pu le voir hein, depuis tout à l'heure, je suis obligé de faire comme ça parce qu'apparemment c'est comme ça qu'on vise, il n'y a pas d'autre solution. On peut aussi se transformer en espèce de calamar, mais bien sûr, comme vous avez dû le voir dans les vidéos et tout, c'est uniquement sur les marques bleues. Ou alors après, en tout cas, on perd apparemment pas mal de vitesse. Donc c'est-à-dire qu'on met des marques bleues comme ça sur tout le sol, on se transforme en calamar et du coup on peut sans aucun souci se trimballer, alors que quand il n'y a pas les marques bleues, vous voyez, on pinaille quand même beaucoup. Alors que là, hop, tout de suite, c'est beaucoup plus simple. D'accord. On peut sauter, apparemment, même sous la forme de calamar. Ok. Nickel. C'est excellent. Donc, je pense qu'il va falloir faire un petit saut. Ah! Ah, mais du coup, si j'en mets là, moi, je peux pas. Eh, hey, joli ou pas? D'accord, est-ce que vous avez vu ça? Ça, c'était beau. Et franchement, je suis en train de kiffer. Ah oui, alors à partir de là, par contre, il faut vite bouger et faut... D'accord, faut repeindre en bleu. Ok, ça marche. Parce que bien sûr, ça, c'est la couleur de l'ennemi. Putain, c'est bon, ça. L'heure architecturale qui te fait face est la tour de Chromapolis. C'est le symbole de la ville. Son hall permet d'accéder au match multijoueur en ligne, d'accord. Donc ouais, vous le savez, hein, c'est plus un jeu multijoueur, je pense. Ça, c'est le centre commercial local, les galeries la... Ah non, les galeries la crevette. On y trouve des armes et des autres pièces d'équipement fabuleuses. Cependant, les vendeurs sont un peu particuliers. Oui, ça, enfin, de toute façon, toute la ville a l'air d'être particulière. Il refuse de traiter avec ceux qui manquent de classe. C'est comme ça. Ok, donc c'est charmant, n'est-ce pas? Le premier étage de ce bâtiment abrite le dojo. Tu peux y affronter tes amis en duel, c'est parfait pour se faire la main. Ok, donc là, eh, mais je croyais qu'il n'y avait pas d'écran scindé. Ouais, non, ça doit être un particulier. Tu vois cette impasse, là, il y règne comme une drôle d'ambiance. Ok, bon, bah... Et bref, passons à... Tiens. Bref, passons à... D'où il sort celui-là, c'est louche, il a l'air complètement paniqué. Eh ben on peut aller voir. Bref, et si tu allais dans le hall pour faire un... Pour, un hall de la tour pour participer à un match. Excusez-moi, j'arrive pas à lire aujourd'hui, je sais pas ce que je... Ok, donc là en fait on est un... J'ai l'impression... Vous savez, ça ressemble un peu à la tour dans Destiny en fait. C'est pas du tout pareil, mais bon, je sais pas, ça m'y fait penser. Ok, donc là, ouais, on peut se balader. On a peut-être pas moyen... Ouais, non, on n'a pas moyen quand même de tirer, bien sûr. Ah, par contre, on peut se mettre en calamar, ça c'est toujours possible. Ok. Bon. C'est sympa, franchement c'est vraiment très sympa. On essaie de se faire encore une petite mission là vite fait, puis après on s'arrêtera là. Ok, donc là bon, en gros je vous résume vite fait parce que là j'ai coupé. Il y a pas mal de... Enfin il y a lui là qui nous dit qu'il va y avoir des extraterrestres entre guillemets qui vont venir attaquer Chromapolis pour venir se venger. Voilà, en gros c'est ça. Voilà, je vous le fais vraiment en gros. Et on a une tenue hyper classe. Et c'est parti, hein, c'est parti. Attendez, il y avait un truc là. Ah oui, non, mais non. Ah si, je crois en fait, c'est marqué partir en mission du coup. C'est trop classe. C'est juste trop classe. Allez. Ah, recharge. Sans déconner, c'est vraiment, vraiment, vraiment trop classe. J'arrive pas à voir où est-ce qu'elle est ma charge de flingue. D'accord, donc là on peut lancer des bombes avec ça.
et on les défonce. Bon bah écoutez, voilà, c'était Splatoon sur Wii U, donc disponible depuis aujourd'hui le 27. Les serveurs ouvriront le 29. C'est pour ça que je pense d'ailleurs, je vais refaire une vidéo au niveau du multijoueur très bientôt. En tout cas voilà, c'était une très bonne surprise, je m'attendais vraiment mais vraiment pas à ça. Vraiment une très très bonne surprise, avec en plus de ça de l'humour au début, parce que je vous ai coupé la cinématique du début pour les droits d'auteur, mais il y avait quand même pas mal d'humour, et ça fait plaisir. Non franchement, il est très très bien, une très très bonne surprise. Je pense voir faire une vidéo très bientôt là-dessus, et moi vous savez quoi, je vais continuer à m'éclater parce que il est carrément trop cool quoi. Franchement, il y a peut-être juste à la limite la visée la technique de visée là, avec le gamepad qui est un petit peu compliqué à prendre en main, mais je pense qu'au bout d'un moment on s'y fait et au final c'est carrément génial. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bye bye tout le monde, salut.